Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. Bienvenue sur Watch Dogs Légion pour la suite du Let's Play. Donc aujourd'hui on va continuer la quête principale. Allez, c'est parti. Vous êtes prêt pour une nouvelle mission? À 100%, il n'y a plus personne qui me colle au basque. Aurez-vous besoin de renfort? Pas maintenant. En avant! Alors, piège tentateur. Un lanceur d'alerte des Sears s'avertit DedSec qu'une faction dissidente des Sears cherche à prendre le contrôle du gouvernement et à détruire DedSec. Ok. Attendons. Ne te lève pas. J'ai besoin des données biométriques d'un agent des Sears, iris ou empreinte digitale. Tu te fous de ma gueule, on n'a pas le temps pour ces conneries. Parle-moi fort. Les données étaient chiffrées. Et puis quoi? Notre IA les déchiffrera. Pas plus vite que moi, et crois-moi, j'ai essayé. Le temps nous fait cruellement défaut, là. Écoutez, si vous ne m'aidez pas, Zero Day va gagner. Et nous allons tous mourir. Bordel. Je vais recommencer à couper des doigts, quoi. Non. Des photos en haute résolution feront l'affaire. Le seul problème, c'est qu'on vise l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur. Et que les Sears feront sauter ses autorisations si on l'attaque. C'est le protocole. Du coup, il faudra s'y prendre à l'ancienne pour les avoir. Du coup, la torture? Bon sang, non. En séduisant la cible. En s'approchant suffisamment d'elle pour la photographier discrètement. D'accord, pas de soucis. Cette partie du plan peut se révéler complexe. Il nous faut quelqu'un de solide. Ok, bon. Bagley, j'ai besoin d'aide. Je vous suggère de débuter votre relation avec l'intermédiaire Sears de l'intérieur, comme avec n'importe qui d'autre, en décortiquant le profil de votre proie afin de mieux la traquer. Continue. L'intermédiaire Sears de l'intérieur fait la liaison entre le gouvernement et les services de renseignement. Son bureau à Downing Street serait un bon endroit pour entamer votre relation. À nous de jouer, alors. Localiser le... Ah, c'est une gonzesse en plus, donc ça va. L'intermédiaire Sears du ministère de l'Intérieur travaille... Ici, mais les caméras couvrent chacun de ses déplacements. Ah, mais son auxiliaire n'est pas loin. Commencez par là. Entendu. Bon. Vous avez une autorisation? What? Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu lui dis juste de la haut. Ok? Ok, fais ça. Ça me plaît, ça me plaît.
Hé, hey, t'es con ou quoi? Il y a un cadavre ici. On se déploie et on trouve qui a fait ça. Trône, lance le protocole de recherche. Partout, là. Je l'ai trouvé. Oui, pourquoi elle s'est fait défoncer? Téléchargement terminé. Bon, fichez le camp, ou ils vous tueront à coup sûr. Okay. C'est bon. 16 conversations par email me portent à croire que notre intermédiaire de l'intérieur est une vraie dévergondée. Elle passe pas mal de temps aux Three Hawker Boys. Si vous voulez démarrer une relation avec elle, c'est un bon point de départ. Envoie les coordonnées sur ma carte. Voilà. C'est elle. Elle est à l'étage. Ça t'a fait mal? Quand t'as rebondi sur les branches en tombant de... Attends, non, je me trompe d'histoire, je crois. Si c'est ça ta technique de drague, j'ai envie de te dire, me calcule pas. Allez, bisous. Désolé, mais on aurait dit que t'avais besoin de te changer les idées, alors... Ah, je suis de super bonne humeur, je te signale. Non mais super, quoi. Pour une fois que je suis dispo, je perds mon temps à repousser les avances d'un strum. Bon, bah, oublie, alors. Dans tes rêves. Les nuances des interactions humaines m'échappent encore un peu. Mais à en croire mes analyses, vous n'êtes pas son genre. Oui, bah merci pour l'info. Arrêtez de chouiner. L'océan de l'amour est rempli de poissons. Bon alors. Qu'est-ce qui pourrait lui plaire? Allez. J'espère que vous n'étiez pas au milieu de quelque chose d'important. L'heure a sonné. Bax, tu sais que j'ai toujours plein de trucs à faire. Mais bon, je veux bien t'accorder un peu de temps. Allez. Là, il y a un truc qui traîne. On va le prendre. Allez, on va boire un coup pour se donner du courage. Ça va te paraître un peu débile, mais tu m'aurais pas matché sur Invite l'autre jour? Clairement, si c'est pas le cas, je fais buter leur PDG, quoi. En fait, c'était pas vrai, mais fais-toi plaisir, écoute. Attention à ce que tu dis, quand même. Quelqu'un a failli mourir. Ça devrait pas tarder à lui tomber sur le coin du nez, de toute façon. Bon, ça te dirait de continuer cette conversation dans un endroit un peu plus intime? Oula, ça va, c'est emballé. Oh là là! Je savais pas que tu pouvais faire ça. Tu me caches d'autres secrets encore? Oh,
ça t'intéresserait pas. Sauf, peut-être... Eh ben dis donc, ça a été... Bon, après tout cela, avez-vous récupéré des données biométriques ? Moi, ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Mais pour être honnête, quand j'ai rejoint la Résistance, je m'attendais plus à des cocktails Molotov qu'à... ce genre de truc, quoi. Bien joué. Et maintenant ? Il va peut-être falloir faire encore illusion quelque temps. Le chargement se poursuit et l'officier de liaison est en train de nous appeler. Passe-la moi. Bon, va falloir arrêter de mytho maintenant. T'es qui, sérieux ? Tu bosses pour les Russes ? Les Chinois ? Les Amerlocs ? Wow ! Eh, si t'as plus envie de me voir, vas-y, tu me ghostes comme tout le monde et puis c'est tout. Oh, la ferme. Ok. Transfert terminé. J'ai Malik en ligne. Je suis certain qu'il sera parfaitement courtois avec vous. Ça devrait faire l'affaire. Rejoins-moi à l'abbaye de Westminster, qu'on discute des résultats. Ah, au fait, j'en attendais pas autant de ta part. T'essaies d'être sympa, là, c'est ça ? Il s'est déconnecté. Oh, mais c'est pas vrai ! Ok. J'ai marqué le point de rendez-vous sur votre carte. Ne vous pressez pas. Merci, Bagley. Vous voilà à l'abbaye de Westminster, là où repose Édouard Ier, roi de la fornication entre cousins. Bagley, c'est une info utile, ça ? C'est pertinent si vous êtes cousin. Quoi qu'il en soit, asseyez-vous. J'informe Malik de votre arrivée. Je quitte la partie. Ça fait 76 heures que j'ai pas dormi. J'y arriverai pas. T'es juste fatigué. Non, je suis effrayé. Je sais qui dirige Zero Day et je ne crois pas pouvoir l'abattre. Arrête, je m'en fous de ça. Donne-moi son nom. C'est pas une question. D'accord. Alors je te confie ça. D'après mes analyses, Zero Day serait dirigé par la directrice du contre-terrorisme des Sœurs, Emma Child. Oh. D'après la légende, ce serait grâce à elle que Gorbatchev a survécu au putsch de 91. Et au-delà de ça, c'est mon amie. Elle a été mon mentor pour ma première mission sur le terrain. Ouais, mais bon, faut bien dire au revoir un jour. Attends. Il y a toujours une marge d'erreur. Si tu t'en prends à Emma et que je me suis trompé, tu te retrouveras avec elle et Zero Day à tes trousses. Confirme que c'est elle avant d'agir. On va faire gaffe. Te plante pas. C'est notre tête qui est en jeu. Okay. Ça me fait mal de le dire, mais Malik a raison. On peut pas foncer tête baissée. C'est quand même la responsable des Sœurs qu'on vise là. La section antiterroriste. On n'est pas encore sûr que c'est la solution. Emma Child est juste une piste à suivre pour l'instant. D'accord, ça me va. Comment on la trouve alors ? Bagley, check dans les dossiers des Sœurs. Si tu trouves qu'ils travaillent pour Child et qu'on pirate leur système de communication, on va la trouver. Voilà. Oh, c'est mignon. Mais on peut pas rester à attendre que quelqu'un fasse une erreur et nous mène jusqu'à Emma Child. Il faut forcer un peu le destin. On doit frapper fort, en mode DedSec. Et les faire tellement flipper qu'ils vont lui demander d'organiser une réunion. Emma Child est à la tête du contre-terrorisme chez les Sœurs, qui coordonne les opérations avec Albion depuis l'ancien bâtiment du MI6. Donc imaginez qu'on s'introduise là-bas et qu'on lui laisse un message qui lui parviendrait. Parfait, on y va. Allez, viens. Individu suspect signalé dans votre secteur. Potentiellement armé et dangereux. Reçu. On applique la procédure. À vous.
Bon. Voici l'ancien bâtiment du MI6, qui était autrefois l'agence de renseignement la plus prestigieuse au monde. Mais maintenant que les sœurs y ont pris leur quartier, c'est le cœur de tous les complots ténébreux et coups sanglants en Europe. Vous voyez, la différence n'est pas énorme, finalement. Ok, c'est juste un poil risqué, quoi. Bagley, tu vas lui faire peur. Trouve la salle du serveur central et connecte-nous. On s'occupe du reste. Ça va le faire. C'est pas là. Ah, on est pas loin. Ah, c'est bon. Je peux pas y aller, donc il va falloir que j'aille directement. Ah, il a le truc. Ah mais t'as tout ton... Ah, allez, tu m'as saoulé toi. Toi aussi. Arrête ce putain de bruit!
Cette salope peut être n'importe où. Quelqu'un a tiré. Dis tes prières. Très bien, je te promets. Non mais, quelle bande de bras cassés. Ensuite... Ah, là-bas, il est là-bas, le serveur. Je vais aller voir ça. Le suspect était là il y a un instant. Eh bien. Donc alors ensuite ici. C'est ce serveur-là. Connecte Bagley qu'on règle cette histoire vite fait. Bien reçu. J'ai du nouveau sur la mission, mais vous devez me promettre de ne pas vous fâcher. M'énerve pas, Bagley. Dis ce que t'as à dire. Vu que vous ne me l'avez pas promis, je garde les détails pour moi. Mais disons qu'il y a, comme on dit, une chier de garde qui fonce droit sur vous. Heureusement qu'on est dans le même camp. Mortel, respect! Maintenant tu pars de là. On te bipe quand on tient quelque chose. C'était raide. Alors là, t'es déjà mort! Regardez-moi ça, votre plan a fonctionné. L'organisation des Machaïd bourdonne dans tous les sens, pire qu'un nid de frelons en rut. C'était rapide. Eh bien, j'ai peut-être envoyé quelques images de vidéosurveillance de votre petite opération MI6 au cercle rapproché de Child, histoire d'accélérer les choses. C'est pas dangereux?
Non, pas vraiment. Mais comme vous êtes une agitatrice violente affublée d'un drôle de masque qui cogne des mercenaires, vole des documents top secrets et traverse les vitrines en voiture, précisez dangereux. Ouais, bien vu. Bon, on fait quoi ensuite? Un petit groupe va rencontrer Emma Child sur un parking. Ils ont coupé la vidéosurveillance, mais malin comme je suis, je pourrais la réactiver si vous me connectez au Hub City OS du bâtiment. Alors à nous de jouer. Petit rappel, ceci est un parking où Emma Child retrouve son cercle rapproché. Malik demande que vous confirmiez qu'elle est bien responsable de Zero Day avant que l'on fasse quoi que ce soit. Essayez de pirater les caméras pour que nous jetions un coup d'œil à la réunion. Alors. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il disparaît et comme par hasard, notre serveur est touché. Richard Malik est derrière tout ça. J'ai des agents prêts à intervenir, Madame Child. À la seconde où il refait surface, Malik est un homme mort. Mais comment ça, refait surface? Vous voulez dire que nous n'avons aucune piste? En effet, Madame. Il s'est pour ainsi dire volatilisé. Aucun relevé de position à son lieu de travail, à son domicile et aucun achat avec sa carte. Bah, bien sûr que non. Qu'est-ce que vous croyez? Malik n'est pas un crétin. Il les connaît, nos méthodes. Filament ne sert à rien. C'est à nous de nous sortir les pouces. Il a peut-être quitté Londres. Il se cache sans doute en race campagne. Et c'est pour ça que vos excuses ont comme une odeur de purin. Nous avons une théorie alternative, Madame. Malik pourrait être en contact avec DedSec. C'est peut-être eux qui se chargent de le protéger. Il considère Londres comme un territoire ennemi. Il s'est allié à la résistance locale et l'a convaincu de travailler avec lui. Bon, voilà ce qu'on va faire. On concentre tous nos efforts sur le dossier DedSec. Si on se met à secouer l'arbre suffisamment fort, Malik finira par tomber par terre. Maintenant au boulot. Allez me tuer ces saloperies de terroristes. Ok. Ah, ça défonce. Super cool. Bah ouais, quoi. C'est important ton look quand tu luttes pour la justice. Allez, on y va. Bagley, appelle Malik. Ça ne répond pas. Crah, laisse tomber, je vais le faire. Merde. D'accord, allons-y. C'est peut-être notre seule chance. Oh.
Matchide, Fiadou. Bref, liaison optique sécurisée avec le ministre de l'Intérieur. Si vous voulez rétablir la vérité sur les attentats, c'est l'occasion de rassembler des preuves. Rapprochez-vous de la voiture afin que je la pirate. Je vous connecte à Emma Child. Conduisez sans vous faire remarquer. Ici directrice Child. Kilo Alpha Kilo 711. Code et empreinte vocale vérifiée. Directrice, vous êtes sur une ligne sécurisée du bureau de l'intérieur. Un instant, monsieur le secrétaire. Il semblerait que j'ai un problème de communication. Probablement rien de grave, mais changeons de canal, sait-on jamais. Eh bien voilà qui est embêtant. Restez à proximité, je vais tenter de récupérer la connexion. Nous réallouons des ressources au dossier d'EDSEC. Monsieur le ministre, je voulais vous en parler directement, étant donné le récent incident avec votre agent de liaison. Oh. Oh mon Dieu. Vous pensez que c'était EDSEC? Je croyais que nous avions imputé cela à votre enfant terrible, Malik, c'est bien ça? Oui, c'est justement là que ça devient délicat, monsieur le ministre. De nouvelles preuves laissent entendre que Malik serait de mèche avec EDSEC. Mais nom de Dieu, Emma, c'est une catastrophe! Tout est sous contrôle. Merde. Désolé, Tom, mais nous devons encore changer de canal. Un instant. Oh, cette histoire de conspiration remonte jusqu'au sommet. Enfin, pas loin en tout cas. Restez à proximité, nous y sommes presque. Ouais, il est bloqué par le bus. Comment au juste la situation peut-elle être sous contrôle, Emma? Parce que l'un de leurs agents est actuellement en train de pirater le canal de ma voiture. Oh merde! C'est de là que viennent ces anomalies. Vous avez l'air étonnamment calme, pourtant. Ce n'est pas mon premier jour de travail, Tom. Je ne suis pas dans la voiture, c'est un leurre. Mais elle contient une balise active qui envoie Albion droit sur ses coordonnées au moment où je vous parle. Dans moins d'une heure, je l'aurai en garde à vue. Cette fois, c'est moi qui vous ai déconnecté. Fichez le camp, vite! Ok. J'ai Malik en ligne pour vous. Je vais faire le mort. C'est trop risqué de se parler directement. Attends. T'as pas entendu? Elle veut te tuer. Elle dirige Zero Day. Je l'ai entendu, oui. Elle sait que je bosse avec vous. Ce qui veut dire qu'elle est plus proche que ce que je pensais. Désolé, on n'a plus le temps. Au revoir. Ok. Oh bah c'est cool, on va s'arrêter là. Enfoiré. Les amis. Qu'il aille se faire foutre. Maintenant qu'on sait qui est derrière Zero Day, on n'a plus besoin de lui. On n'a plus qu'à la trouver. À ce propos, lorsque je faisais connaissance avec le serveur du MI6, je suis tombé sur une liste de planques des sœurs dispersées un peu partout dans la ville. Il y en a beaucoup, vous savez. On connaît tous ceux qui sont avec Child, non? Bagley, compare leurs signaux GPS avec la liste des planques. Excellent. Classe-les par ordre de probabilité, Bags. On va la trouver, cette ordure. Ok, très bien. Bon, on va se laisser là. Suivez les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour ne rien rater de mes vidéos. Et on se donne rendez-vous donc pour une prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao.